Demain nous appartient, spoiler, Rebecca contre Sébastien. Sébastien vire à l'affrontement avec Rebecca dans Demain nous appartient. Victoire est amenée à un choix cornélien et Jordan divise. Rebecca découvre sa chambre saccagée au spoon. Elle accuse Sébastien. Raphaël n'est pas au bout de ses peines. Victoire se retrouve face à un choix cornélien. Jordan se montre insolente envers François et reproche à Jaya de ne pas assumer leur relation. Un danger rôde sur Rebecca. Un mystérieux individu l'espionne. Raphaël est sous le choc d'apprendre que Maud et Camille ont revu sa mère. Elles l'ont convaincu de rester à 7. Raphaël dissimule de l'alcool dans son bureau. Elle confie à Virginie ne plus savoir quelle attitude adopter face au retour de Rebecca. Sébastien confronte Rebecca au spoon. La mère de Raphaël n'entend pas quitter 7. Samuel invite Victoire à un concert. Elle lui rappelle qu'il a été odieuse envers elle il y a quelques jours. Samuel se dit prêt à partir en guerre avec Benjamin, également sous le charme de Victoire. Celle-ci pèse le pour et le contre d'une soirée avec Samuel ou Benjamin. Elle se met sur son 31. Cela n'échappe à Georges, qui comprend qu'elle refait sa vie. Victoire a choisi de dîner avec Benjamin au spoon. Au lycée Agnès Varda, l'heure de l'exposé sonne pour Jaya et Jordan. S'il est impressionné par leur récit, François reproche à Jordan un manque de sourire. Le fils d'Audrey se montre insolent envers son professeur. Un peu plus tard, il reproche à Jaya de ne pas assumer leur relation. Il préfère en rester là. François incite Jaya à lutter contre les préjugés. L'adolescente se dit prête à révéler au grand jour son idylle avec Jordan. Ce dernier est incité par Lissy, Juliette Mabila, à se battre pour vivre son histoire avec Jaya. Afin d'éloigner Rebecca de 7, Sébastien assure à Bart qu'elle est mauvaise payeuse. Rebecca comprend qu'elle a été une nouvelle piégée par le père de Raphaël. Un peu plus tard, elle découvre sa chambre saccagée. Pour elle, il ne fait aucun doute que Sébastien est impliqué dans l'affaire. Rebecca se rend au cabinet de Raphaël. Elle accuse Sébastien. Le ton monte. Rebecca est au bord des larmes avec Raphaël. Elle affirme que Sébastien est à l'origine de son départ il y a 30 ans. Demain nous appartient est à suivre du lundi au vendredi à 19h15 sur TF1.